sur le Yokomel. On rentre sur lui. Donc, qu'est-ce qui se passe ici en fait? C'est-à-dire que sur son attaque, je rentre ici, je maîtrise la ligne ici, je sors de la ligne en l'emmenant un tout petit peu, je le mets ici, en même temps je le laisse partir là, et basculer vers le bas. Encore une fois doucement. Donc ici, là, ça c'est important, n'essayez pas de faire ça, parce que là vous tournez directement. D'accord? En faisant votre ennemi, il faut que ici, la menace soit toujours là. Ici, je bascule, et je le force, et puis je lui dis, essaye de tourner, parce que là, voilà, on est à égalité, et là, je le laisse rentrer pour faire mon sumetoshi. On a vu que ici, quand il arrive, je l'emmène vers le bas. En utilisant, en fait, une bascule. Et peut paraître assez imperceptible, mais qui va nous permettre maintenant de passer à l'élimination. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si j'essaie ici de passer tout de suite, en fait, ce n'est pas possible. Il va tout de suite contre-attaquer. Par contre, si ici, je l'envoie vers l'extérieur et je l'emmène, je le bascule d'un côté à l'autre, là, j'arrive à passer. Et donc, l'idée, c'est vraiment ici de ce côté-là, je laisse passer. Et je fais mon Irinagi. On a toujours ici notre entrée, on le relâche, on le laisse passer, on l'emmène et on lui prend son équilibre. Vous vous rappelez de la dernière fois, on l'avait vu, Irinagi ici, on avait bien dit que ce n'est pas ici une action sur ses épaules, mais c'est une action sur sa colonne vertébrale. Et donc, pour réussir, l'Irinagi ne suffit pas d'emmener le partenaire, parce que ça sert à rien. Mais il faut arriver ici tout de suite à le vriller pour que sa colonne soit plus droite. L'idée, c'est vraiment ici de l'amener au sol sans qu'il y ait trop de dommages. Okay. Donc, si on est dans une optique de self-défense, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce qu'au moment où il arrive, voilà, c'est fini. Ok? Le fait ici que mon intémi, en fait, que je montre mon intémi, d'accord? Mais si j'avais frappé pour de vrai, donc là, tu fais semblant que tu n'as pas vu mon arrivé, je rentre ici, d'accord? Et là, il a beau être costaud comme il veut, ça c'est une partie qu'on ne peut pas muscler. Hein? D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment essayer de lui montrer que il est virtuellement mort, d'accord? Et là-dessus, on va lui faire comprendre que là, il commence à réfléchir, et là, on le met tranquillement au sol. D'accord? Pour qu'il termine de réfléchir au sol. Okay? Parce qu'il devra se relever, il se rendra compte pendant tout ce temps-là qu'il est vulnérable, etc. On espère que ça le fera assez réfléchir pour qu'il arrête de nous agresser. D'accord? Mais l'idée, c'est pas de le tuer, d'accord? Donc, c'est pas de forcer notre volonté sur lui, parce que quand il y a clash de volonté, les deux prennent des risques. D'accord? Et du coup, c'est le plus fort, le plus rapide, le plus jeune qui va gagner. Hein? Et pas forcément le plus expérimenté, le plus vieux, parce que le plus vieux, il est plus lent, hein, et moins fort. Ok? Donc, l'idée, c'est vraiment de lui montrer que, là, je suis toujours là. Et là, il a dû se relever, et maintenant, il réfléchit. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'emmener au sol sans bobo. Donc, on n'a pas besoin de forcer. Hein? Oui, le concerné a compris. Bien. Donc, quand il arrive ici, là, 1, 2, là, regarde, là, 3, là encore, des fois, 4. Limite, je n'ai pas besoin de le forcer. J'ai juste besoin de lui montrer partout où j'aurais pu frapper. Hein, s'il le comprend, vous voyez qu'il va se mettre pas tout seul par terre, juste en essayant d'éviter toutes les frappes que je fais. Ici, là. Voilà, c'est ça. Là. D'accord. Donc, ici. Ici. Hein, Nikiowa. Je l'emmène de côté. Il est trop fort. Je laisse revenir vers l'intérieur, comme pour faire mon Irinagi. Mais quand je passe ici, je me rends compte que il est toujours trop fort. Il vient ici, je coupe,
Je le fais venir sur mon épaule, et là, il est content de venir. Je lui mets là-dessus, je fais mon ikyo. Voilà, ici, là. Et là-dessus, en fait, si ici, si j'essaie d'être costaud, non, non, mais... Il est déjà là. Il est déjà là. Attends, je te donne un... Là, il est dedans aussi. Voilà. Là. Donc là, il est stable, d'accord ? Et si je suis relax, en fait, j'arriverai à passer. D'accord ? Si par contre, ici, j'essaie de forcer, j'ai aucune chance de passer. D'accord ? Là, je comprends. Et si je relâche. À terme, après, c'est ici, je fais une coupe. D'accord ? Mais là, maintenant, pour avoir vraiment le parallèle avec ce qu'on a fait juste avant, on va le faire un peu plus synthétique. Donc une fois doucement encore. Donc on va retrouver les étapes d'avant.